VHS is not dead. Qu'est-ce VHS is not dead? Allez-vous me dire? Bon, pour ceux qui connaissent l'enfer des films, j'avais déjà fait une ou deux VHS is not dead où j'étais avec Monsieur Boustachu, où j'avais présenté quelques achats comme ça, cassettes vidéo, VHS, petit format nostalgique qui a fait le bonheur des vidéoclubs dans les années 80. Mais là, je vais vous parler d'une VHS en particulier. Que j'ai, là je me tourne, je la prends, elle est sur ma droite. Alors si je vous dis la collection Full Contact, Kickboxing et Martial Arts Collection, c'est la numéro 15, hein, sortie chez nos petits margoulins de Initial Distribution. La numéro 15, c'est L'Aigle de Shaolin, un bon petit film de Kung Fu. Alors déjà, c'est pas que parce que c'est juste une VHS, oui voilà, côté nostalgique, le film est très bon. L'Aigle de Shaolin, qui a, on va dire, une petite affecte nostalgique chez moi. Quand j'habitais à Martigues, un pote m'avait prêté la cassette vidéo. Il savait que j'adorais ce genre de film de Kung Fu un peu à l'ancienne. Et là, quelle surprise! Déjà, la musique du début, à l'époque, je ne savais pas, mais bon, elle me plaisait déjà beaucoup. Et j'ai su après que c'était repris de Western Spaghetti avec Lee Van Cleef. Là, j'ai plus le titre en tête, mais déjà le film commençait bien, hein, avec la petite voix off qu'on a entendu souvent dans les films de Jackie Chan, une espèce de vieillard qui parle comme ça, qui nous introduit la technique de l'aigle de Shaolin. Déjà le film commençait là à me plaire beaucoup. Après au niveau casting, bon, franchement j'ai pas les acteurs, hein. Il y a juste peut-être une petite apparition de Yuen Biao à un moment donné, qui fait un des méchants dans le film. Je crois qu'il fait partie du gang des trois, hein, le héros croise son chemin. Et en parlant de héros, on va dire le seul défaut de ce genre de film, c'est souvent le scénario. Alors toutes les 5 minutes, il arrive toujours des nouveaux personnages, comme ça on sait pas qui suivre vraiment, parce qu'on est bien plus ou moins s'identifier des fois dans les personnages. Enfin, mais dans ce genre de film, hein, que ce soit tous les films de Kung Fu, hein, pas mal de fois, une fois sur deux, des fois on est peu perdu dans le scénario. Mais donc voilà, là pour L'Aigle de Shaolin, que je vous conseille vivement. La technique de la griffe de l'aigle consiste en 108 figures qui ont été développées à partir de 50 attaques de base. Ce style de combat est concentré sur la colonne vertébrale, les muscles et les articulations les plus fragiles. Grâce à sa connaissance de cette technique, le héros va défaire l'armée du traître et épouser la femme qu'il aime. L'aigle de Shaolin. L'armure de fer de toutes les techniques du Kung Fu est la plus mystérieuse. Avec elle, il est aisé de résister aux coups de bâton, voire aux coups de lance. On est invulnérable, mais cela implique une maîtrise parfaite de sa propre respiration. C'est une vieille technique des plus difficiles. Le corps humain a 108 points de pression, dont 36 peuvent entraîner la mort. Les 72 autres, la paralysie. L'apprentissage de cette technique commence avec le souffle, jusqu'à contrôler parfaitement sa propre respiration. Il y a 8 méthodes pour ça. Quand on les possède toutes, on est capable de maîtriser la circulation de l'air de chaque point à l'intérieur de son propre corps. Alors le corps est entièrement protégé et devient invulnérable. Cependant, il reste toujours la barrière de la respiration, le défaut de la cuirasse. France Inter Cinéma présente L'Aigle de Shaolin. La griffe de l'aigle. Cette technique a été mise au point par Yu Fei sous le règne des Ming.
Elle consiste en 108 figures qui ont été développées à partir de 50 attaques de barre. Ce style de combat est concentré sur la colonne vertébrale, les muscles et les articulations les plus fragiles. Tout le pouvoir d'attaque réside dans le bout du doigt. Le coup doit être modéré et comme une aiguille d'acier. La tactique des griffes de l'aigle est d'attendre jusqu'à ce que l'adversaire faiblisse. C'est au moment où celui-ci reprendra sa respiration que l'aigle frappera. Sa patience sera récompensée. La griffe de l'aigle est la plus mortelle des techniques de combat. Wow.